19. Les 14 laits que l'on va avoir besoin pour les projeter sur notre escalier. Donc, on fait image découpée en utilisant les guides. Et là, il va nous créer nos 14 laits que l'on va avoir besoin. J'ai gardé l'écran vert qu'on supprimera par la suite. Là, on voit bien que tout ce qui est l'écran vert a été supprimé. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que pour chaque lait, vous puissiez les renommer. Alors, je les ai appelés comme ceci. Le premier lait, c'est le Graffiti March 1A. Donc, c'est le lait horizontal. Le lait vertical correspondant à cette marche-là, c'est le 1B. La deuxième marche, le lait horizontal 2A, 2B pour le vertical, 3A pour la troisième marche horizontale, ainsi de suite. Comme ça, si on est obligé de s'y reprendre à plusieurs reprises, ça sera beaucoup plus facile de récupérer les fichiers que de refaire ça si il y avait un plantage quelque part. Donc, je vous conseille de les sauvegarder, donc de vous placer là-dedans et de faire fichier et enregistrer sous et d'utiliser votre façon de nommer. Alors, une fois que ceci est fait, donc on peut fermer tous les laits puisqu'on vient de les enregistrer ou vous venez de les enregistrer. Donc on va les supprimer, ça ne sert à rien pour l'instant de les laisser tous ouverts. Je vais vous montrer la technique sur les deux premières marches. Il suffira de faire celle-ci sur l'ensemble des marches. Voilà. Alors, même celui-là, on n'en a plus besoin. On le ferme. Voilà, on revient ici. Alors, la première marche, on va utiliser notre plan de perspective. Et on va déplacer nos guides pour pouvoir s'accrocher sur ce plan de perspective par rapport à cette marche. Hop. Alors là, il y aura un tout petit défaut. Je vais descendre celui-là un tout petit peu. Là, on voit que notre escalier, malheureusement, n'est pas parfait, mais c'est pas grave. Donc là, on va prendre un guide sur cet angle-là et un guide sur cet angle-là. Voilà. Nous allons ouvrir le premier fichier que nous avons créé, donc le fameux 1A qui est la partie horizontale de la première marche. On peut utiliser la partie visible avec l'écran vert. On fait un CTRL-C, un CTRL-V. On a une sélection flottante. On la transforme en calque. Et là, on va utiliser notre outil de perspective en s'appuyant donc sur le plan de perspective que nous avons créé grâce à nos fuites. Donc le plan de fuite, je peux le supprimer. Et je sélectionne le calque de la première marche. Je prends le coin supérieur gauche. Donc là, comme la marche est relativement petite, vous voyez là où il faut se mettre. Alors, hop, et on se met là. Et là sur l'autre. Voilà. On fait transformer. Et puis là, on va faire marche 1A. Voilà, elle est faite. On peut passer à la suivante. Fichier, ouvrir, marche 1B. On prend la partie visible,
On fait un CTRL-C. On retourne sur notre escalier. Là, on prend le guide qu'on va mettre sur la marche inférieure. Celui-là, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et celui-là, on n'en a pas besoin non plus. Là, notre plan vertical doit rentrer dans cette sélection-là. Donc, CTRL-V, on le transforme en calque, on va le déplacer, on va prendre notre outil de perspective et on amène nos points. Donc là, on doit être parfaitement vertical. Voilà. Nous transformons, nous renommons marche 1B et nous passons à l'étape suivante. Donc, la partie supérieure du calque devra se positionner ici et ensuite nous devrons nous aligner parallèlement, pardon, CTRL-C. On utilise les guides. Voilà. Et on se met ici. Je l'ai déjà fait. Il faut simplement déplacer ce guide-là à cette marche-là. Et là, on va avoir donc notre plan qui va suivre ça. Légèrement comme ça. Donc on y va, la marche 2A, ouvrir, marche 2A, ouvrir, on prend la partie visible, CTRL-C, CTRL-V, on déplace le guide actif, le calque actif, la perspective et nous y allons. Voilà. Et voilà. Voilà. Alors, il y a quelques petits raccords à faire. On voit s'il faut tirer un peu. Encore une fois, la marche n'étant pas droite, voilà, on fait le raccord du lait. Ça le fait pas. Donc on va rester comme ça. Voilà. C'est plus ou moins correct. On fait transformer. Voilà. Donc on active ça. Marche 2A. Et nous allons préparer nos guides pour la marche verticale 2B. Donc ça, pardon, CTRL-Z, pointer sur un guide, on vire ça, et on met notre guide supérieur avec la marche comme ceci, le plus. Voilà, on va rechercher notre guide. Donc, marche 2A. On va chercher notre fichier 2B. Fichier
fichier ouvrir, 2B, ouvrir, visible, CTRL-C, on revient sur notre escalier, CTRL-V, on déplace le calque actif, voilà, on prend l'outil de perspective et on fait coïncider, hop, 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 voilà. Voilà, donc nous venons de plaquer les 14 leds sur notre escalier, ce qui nous fait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nous allons mettre tout ceci dans un groupe. Donc je clique sur créer un nouveau groupe qu'on renomme comme vous voulez, moi marche escalier. Voilà. Et après, il faut simplement glisser chaque calque dans ce groupe. Voilà. Ce qui allège considérablement la chose et on va pouvoir ensuite appliquer à l'ensemble des calques, des masques ou des filtres par rapport à ce groupe.